Nous sommes sur le perron de la maison communale de Wehm. Wehm qui est une commune de 7000 habitants, le plus à l'est, c'est la commune le plus à l'est de la Belgique. C'est une commune qui a comme caractéristique d'avoir le point culminant de la Belgique à 694 mètres, disons 700 mètres. J'ai dit le plus à l'est de la Belgique puisque nous avons une frontière commune avec l'Allemagne, une vingtaine de kilomètres. Nous formons avec la ville de Malmedy toute proche les cantons, un canton. Nous sommes dans l'arrondissement administratif de Verviers, dans la province de Liège, en communauté française et bien sûr dans la région wallonne. Wehm est le résultat de la fusion de trois communes. Commune, ancienne commune au nord, Robertville, avec tous ses atouts touristiques qui sont quasi là, avec l'ancienne commune de Wehm, qui est la plus importante, et la commune de Fermonville, qui est à 2 km d'ici, et qui est une commune qui a une caractéristique très importante pour eux, puisqu'on les appelle tous des Turcs. Donc là, maintenant, nous sommes bien à Fermonville, mais dans la commune de Wehm. Il faut savoir qu'avant la fusion de 1976, Fermonville, le village de Fermonville constituait à lui tout seul une commune. C'est un village relativement important de 1000 habitants. Donc nous sommes sur le perron de la maison communale de Fermonville qui a été construite avant fusion en 1970, qui ne fait plus partie maintenant de la maison communale de Wehm parce qu'on a une proximité de 2 km, hein, 2 km et demi de la maison communale de Wehm. Comme vous voyez, le croissant turc figure parce qu'ils sont fiers finalement de s'appeler les Turcs, puisqu'on a dit il y a le Royal Football Club Turcania, les jeunes, c'est les jeunes Turcs réunis. Ben, la maison communale affiche également. Ben voilà, c'est cette tradition de s'appeler les Turcs à Fermonville. Oh, aïe, vif nos païs, vif le Turquay, elle taupe d'une beau vipère. Oh, aïe, vif nos païs, vif et mauvais et tous ses beaux amis. Donc il dit, vif le Turquay, vif la Turquie, vif et mauvais, donc ça rime un petit peu. Fait mauvais, c'est fait mauville, et Turquay, c'est Turquie. Donc ça, c'est le refrain, et voilà. Donc c'est une chanson qui honore Fermonville en tous les cas, et ses filles surtout, ses belles filles. Alors il voulait aller trouver quelque chose qu'il avait déjà dans le village, enfin. C'est ça la chanson nationale des Turcs, si on veut. C'est la pascaille du petit Servin. L'histoire des Turcs, c'est une... Il y a deux versions. Il y a deux versions. La première version, c'est à la bataille d'Arblev, et il paraîtrait-il que les villageois qui habitaient ici auraient été aidés les Turcs, par les infidèles, dans cette terrible bataille où il y a eu énormément de morts. Mais je ne crois pas que c'est très possible, cette histoire-là, parce que Fermonville, c'était un tout petit village, il y avait peut-être
7-8 feux seulement, donc 7-8 maisons. Donc il y avait, c'était presque pas possible que les gens d'ici, contre toute la contrée, auraient été... Mais ce qui est plus plausible, c'est lors de la croisade, Pierre l'ermite, il serait venu récolter de l'argent pour les croisades. Et chercher aussi des gens pour ça. Mais donc il allait à Stavelot-Malmedy, dans l'abbaye. Et là, les gens étaient tenus à payer une certaine dîme pour les croisades. Mais Fémonville, on était de l'autre côté de la frontière, nous. Donc les gens ont dit, non, nous, on ne paye pas. On était des Wallons, pourtant on était quand même très, des liens très forts. On dit que c'est nos ennemis, mais ce n'est pas vraiment nos ennemis, parce qu'on a quand même des liens très forts avec la région Wallonne, puisqu'on est Wallons nous-mêmes. Le village qui suit, derrière mon dos ici, il est germanophone. Donc on est vraiment sur la limite, sur la frontière linguistique aussi, nous. Mais enfin, nous, on faisait partie des germanophones. Et les Wallons, donc de Stavelot-Malmedy, ils devaient donner pour les croisades, et nous, on ne donnait pas. On dit, on donne assez comme ça. Je suppose que d'un autre côté, il y a peut-être eu aussi des paiements en fait, ou je ne sais quoi, de pas la dîme. Et c'est pour ça, prêterait-il, que les villages Wallons nous auraient surnommés de Turcs. Mais comme l'histoire a avancé, ça ne nous a jamais... Je ne crois pas, enfin. On a été fiers, finalement, de cette appellation-là. Et on l'a repris à notre cours, notre blason. On a été blasonnés turcs. Il y a eu des trucs spécifiques à Fémonville. Dans le Midian, ici, enfin, des cantons de l'Est. Et Fémonville, il est repris avec l'écusson turc. Donc là, c'est Stavelot. Là, c'est Eupen. Je ne sais pas moi-même. Ça, c'est Wehem, c'est la commune de Wehem. Ça, c'est Malmedy. Après la guerre de 14-18, la jeunesse a commencé, avec des carnavals, à s'affubler de vêtements du fait turc. Et voilà, c'est toujours plus loin, quand il y avait des fêtes, les fêtes mauvilloises, c'était leur costume traditionnel. On était des Turcs, on s'habillait en turc. Donc il y a eu ici, tout près, dans notre région, c'était le premier barrage dans les cantons de l'Est, le barrage de Robertville. Donc il y a eu une grande fête à l'inauguration du barrage. Et toute une délégation de notre village y est allée, mais tous habillés en turc. Donc c'est pour ça que donc, ça a renforcé toujours plus le nom turc accolé à Fémonville. D'ailleurs, dans les années 1920 aussi, il y a eu la création d'un club de football dans le petit village, et il a pris le nom de Turcania.